messieurs. Principal, oui. Je suis même au barabar. Awa comme on a gagné exactement, awa tozana entrée à entrée signerse. Biso en tant que Congolais, les loto zalaki na détermination ko sala marche pona nini? Parce que tokuti ete que mokonzi amboka oyo utaki kolongwa na présidence atikali ko sala manœuvre na ete. Ti les loto moni azoele la biso batu to lingite. Lokola oyo auti ko lobali susu. Comme on a Malonda. Malonda, wana a constaté que Azalaki parmi les bateaux qui ont organisé l'élection en 2018. Et puis, l'élection wana Azalaki contesté la majorité du peuple congolais. Mais, il y a des gens qui ont été prononcés, qui ont été résultats na bango ebimi. Mais, il y a des élections en 2023. Yango wana tozo contesté kati sikoyo parce que tomoni ke eza préparation pour na mutu na bango a apparaître lisusu na 2023. Et puis détermination na biso banda 2017 ba marche to banda ko sala ti lelo eza ki po gouvernement wana ya Kabila parce que bonyo kwa miekomi ebele banda ane wana ti lelo batu bauti ko kufa bazo kufa ka chaque jour. Cause ezanin ezaka cause ya batuana ya majorité présidentielle e bengami pe perdre. Donc wana en tant que ba assassé ba lingi makila ya ba congolais e kende kotanga mati na yebiti wa piti lola parce que lola détermination na biso e kosila te e kosila tango e kosila donc détermination na biso e kosila tango mutuana malonga ba kolongola ye en tant que kombo na ye lobi ke malonga a kolongwa boyo biso ngai ndengo zomanga awa naza membre ya INC hein mon président il est en prison jusqu'à maintenant mais na bangi te ko sala ko zala na marche en tant que président ngai aza na prison mais donc détermination na biso toza na espoir ke akobima mais ye pe message oyo ekome la yete ayeba ke batunaye o bazaka simanaye bandaka la ti lelo baza simanaye ba président na biso ya province kasi koyo bauti kokanga bango ba meme bango na ba prison na ba cadre mususu ya parti politique ya UDPS na ba cadre mususu ya parti politique ya Lucha na ba cadre mususu ya parti politique ya Lamuka ba mususu wana nyoso ba meme bango na balabala me tokolemba te. Parce que lobby lisusu tokozala na balabala. Donc pour marche et continuer lisusu. Donc soki ba kotinda ba policier ba pesa bango manduki ndenge ba pesa ka bango manduki ya kuboma population. Donc ndenge détermination na bango eza komela makila ba préparer ba kopo wana ba melaka na bango makila pour lobby ba kotonda makila ndenge balingi. Ngana za na marché pona nini? Na moni Kabila tolingi ete. Pwani to lingi acha azimo oyo papa no babimisa ki na basoki bato ya si bato ya seni azongi se lisusu toboye to lingi etende to marché ngana ze komo na ngeza nini lando mbayo
Est-ce que les gens sont découragés? Ils sont découragés. Eh, po to zaki ko yakoto to bimikuna to landa baninga na biso na kamunzenze to zela bango ande to group to kiti kuna likunase mais siko bakangi ba mosusu nde susu na ninga na kende ko zwa bango na kende ko yoka est-ce que ko tourager po lobi te lobi na kozonga kaka lobi na kozonga kaka lobi pe determination ya nayo za nini bino bolingi nini biso to lingi mboka ezala bien ezala malamu babi misana mtu ana ya seni to boye babi misae to lingi ete. Donc, si on a marché, on a marché. Abima. Donc, on continue à marcher. Si on a abima, on a bien. Mais on a dit que on a dit que Babi misanano mtu wana ya seni bango bazo cha biso tozo sufrire penza babi misae En fait, la police est en train de violer notre droit constitutionnel. Ils sont en train de nous dire de demander l'autorisation. La constitution parle de l'information. L'article 26 parle de l'information, pas d'autorisation. On informe l'autorité et l'autorité doit nous envoyer la police pour nous encadrer, mais pas nous disperser. Mais tout à l'heure, là, ils viennent d'arrêter un de nos militants, le président de la jeunesse de l'IDPS. Et le colonel qui vient nous dire qu'ils n'ont pas réussi l'ordre de nous sécuriser. La loi parle de la sécurité, pas de l'autorisation. On n'a pas droit à une manipulation de la police. Une police qui ne connaît même pas son rôle. Ça veut dire que le peuple doit se soulever, doit mettre hors d'état de nuire ces gens qui ont pris la démocratie en otage. Nous sommes dans une république démocratique, on doit vivre cette démocratie. Ce n'est pas question qu'un maire de la ville donne un ordre à la police de tirer dans les manifestants pacifiques. On doit manifester jusqu'au départ de Malonda. Trop c'est trop, le FCC ne doit pas nous prendre en otage. Pour nous, la lutte continue. Aussi longtemps que nous n'avions pas obtenu les résultats que nous voulions, la lutte continue jusqu'à ce qu'on va obtenir une CENI réformée, une CENI véritablement indépendante. Et au départ de M. Ronsard Malonda comme président de la CENI. Ça, c'est la première des choses, c'est la principale revendication que nous avions. Nonobstant, aujourd'hui, nous étions en train de manifester à Goma. Il y a eu une centaine de nos militants qui ont été interpellés par la police et relaxés parce qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune infraction qui leur a été reprochée. Pour nous, nous n'allons pas nous arrêter par là. Dans les heures qui suivent, nous allons communiquer les prochaines dates auxquelles nous allons manifester. Et nous annonçons déjà à partir du lundi, on sera encore dans la rue pour continuer toujours à revendiquer la même chose. Parce que rien ne pourra nous arrêter. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu. Il y a eu des policiers qui ont été très violents envers les militants. Il y a plusieurs militants, une dizaine de nos militants qui sont blessés. Et nous allons les prendre en charge. Malheureusement, c'est l'État congolais, à travers la police, qui devrait les prendre en charge. Malheureusement, ils ne le font pas. Il y a la police qui est acquise. Agresser d'autres éléments de l'ordre. C'est faux, c'est très faux. La police n'a pas raison de se victimiser à ce niveau. Les militants qui étaient non violents, ils n'ont jamais blessé un policier. Jamais, on ne peut pas les faire. Et si nous trouvons celui qui peut avoir fait ça, nous-mêmes, nous pouvons nous charger de la discipline. Et or, nous savons très bien que l'un de nous ne peut pas le faire. Ce sont eux qui nous ont arrêtés. Ils ne sont pas capables de dire « nous avions arrêté telle personne en train de faire ça ». Si nous étions en train de le faire, ils ne pouvaient pas nous libérer. Les faits qui nous libèrent, ça veut dire qu'ils ne nous reprochent de rien. Ils sont en train de se victimiser et pour rien. Et nous, bon, on les comprend. Et ils cherchent toujours un petit cheveu dans la sauce et ils n'en auront pas. Est-ce que la police n'a pas utilisé des armes létales? Mais bien sûr, la police était armée. La police avait les armes à feu. Mais parmi nous, il n'y a personne qui était blessé par l'arme à feu. Et il y a ceux-là qui étaient blessés à travers des crosses de leurs armes. Ils n'ont pas tiré, mais leurs armes, ils les ont utilisées comme des bâtons pour taper les militants. Et ils ont utilisé leurs webs, leurs ceintures pour taper les militants. Ils ont même utilisé des pierres. Ils prennent une pierre, ils l'utilisent comme un coup de poing. Il y a plusieurs militants qui ont été blessés. Il y a même ceux-là qui ont perdu leurs biens, les téléphones, l'argent. Imaginez même des policiers qui arrachaient des cache-nez.
Parce que nous étions en train de manifester pour dire que nous allons respecter les mesures barrières. Chacun de nos militants avait un cache-nez. Nous avions des désinfectants et des gants. Et malheureusement, la police, quand ils arrêtent les gens, ils arrachent même des cache-nez pour trouver juste des points saillants sur lesquels ils vont se focaliser. Mais bon, on le comprend. La police dit que certains manifestants étaient aussi violents. C'est pourquoi on a réprimé les d'entre vous, certains bien sûr. Il n'y a personne qui a été violent. Vous savez, nous avions déjà opté la non-violence active comme méthode de revendication de nos droits. C'est l'arme qu'eux n'ont pas. Et ils ont juste la violence. Nous avons la non-violence comme arme. Et quelle violence que nous avions utilisée? C'est quel genre de violence? La violence verbale? La violence physique? La violence psychologique? C'est quelle violence qu'on a utilisée? S'il y a quelqu'un qui a utilisé la violence, ils peuvent nous les montrer et les déférer devant la justice. Et quand ils arrêtent les gens en pleine manifestation non violente, comment est-ce qu'ils vont dire que les gens ont utilisé la violence? C'est illogique, c'est irréfléchi. Après ici, c'est quoi la suite? Après ici, nous allons continuer la lutte jusqu'à ce qu'on va obtenir les résultats. Les résultats qui est double. Les résultats de nos revendications, qu'on puisse avoir une CENI qui est réformée et une CENI véritablement indépendante. Et que M. Rossar Malonda, qui a coopéré au hold-up électoral de 2018, qu'il ne soit pas le président de la CENI. Ça, c'est une ligne rouge. Et le lundi, il y aura des manifestations dans la ville de Goma et ailleurs. Et pour d'autres dates, nous allons toujours communiquer. Nous n'allons pas nous arrêter. Vous savez, rien ne peut nous arrêter. C'est les résultats qui vont nous arrêter, mais pas le temps. Nous sommes les éternels infatigables. Et vous n'avez pas peur déjà de peu perdre aussi FCC qui annonce des manifestations pour peut-être vous contrer. En fait, nous sommes le peuple. Nous parlons au nom du peuple. Et il y a d'autres qui parlent au nom des individus, de les autorités morales. Et on ne peut pas avoir peur des lâches, on ne peut pas avoir peur des hypocrites, on ne peut pas avoir peur de ceux-là qui suissent le sang des Congolais, on ne peut pas avoir peur de ceux qui ont peur de nous. Ce sont eux qui ont peur de nous, c'est pourquoi ils suivent notre démarche pour montrer leur point de vue. Mais ils n'ont aucun point de vue, aucun point de vue. Ils sont que des suiveurs. Allez-vous continuer avec où sont les partis politiques qui nous ont soutenus aujourd'hui? Et on fait en sorte que la marche, la manifestation, il y a plus d'impact. En fait, il n'y a personne qui peut s'approprier la lutte. La lutte, c'est pour tous les Congolais. Ça n'appartient à aucune structure de s'en approprier. C'est pour tout le monde. Que ce soit un parti politique, de l'opposition, les partis au pouvoir, un mouvement citoyen, une ONG, tout le monde est bienvenu dans cette lutte. C'est un bus qui est en train de démarrer. Tout le monde qui est capable de monter à bord, il n'a qu'à monter à bord. Et nous sommes très ceux qui on peut avoir des lâches qui vont céder après. Mais nous, on continue. Et que ce soit d'autres personnes qui vont venir, qui vont se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Merci. Bon, merci beaucoup. Nous sommes préoccupés par l'option levée par l'Assemblée nationale. Et nous avons considéré qu'on veut installer quelqu'un qui n'est pas accepté généralement par la population. Pour preuve, vous voyez cette masse qui n'est pas d'accord avec le président, le fameux Ronsard. Donc nous pensons qu'il faut la réforme de la CENI et puis on va installer maintenant les animateurs de cette institution. Mais à défaut, en tout cas, ça ne passera pas et c'est pourquoi vous nous voyez sur la rue. Et demain, nous allons reprendre. Parce qu'en fait, on dit que c'est quelqu'un qui vient de confessions religieuses, mais il a été refusé par les kimbanguistes, les catholiques, les protestants, les musulmans. Finalement, il est envoyé par qui? Donc nous pensons que vraiment, ça ne vaut pas la peine que cet homme-là soit à la tête de la CENI. Et surtout qu'il est parmi ceux qui ont fait des tripatouillages dans les élections précédentes. Plusieurs manifestants arrêtés aujourd'hui par les éléments de la PNC, ainsi que plusieurs cas de blessés signalés. Comment vous analysez cette situation? Nous demandons que ces policiers soient sanctionnés finalement, parce que nous avons refusé la barbarie depuis un moment. On ne doit pas continuer à arrêter les gens. Il y a même les militaires d'IRCD-KML qui étaient arrêtés depuis le matin. Ils se trouvent être au PD. Mais nous disons que ça ne doit pas continuer comme ça. Donc nous demandons qu'ils soient libérés, mais aussi qu'ils soient sanctionnés. On n'a pas besoin de policiers qui ne connaissent pas la démocratie, qui n'ont rien du droit de l'homme. Ils n'ont pas la place dans la police. Il faut qu'on les chasse même de la police nationale congolaise. Peut-on dire que c'est la continuité alors du régime sortant? Ah bon, le régime sortant, mon cher ami, il y a à boire et à manger. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que nous ayons une police qui se comporte bien et que nous ayons les animateurs des institutions qui soient acceptés. Tel est le cas
de la CENI, donc que Ronsard reparte et qu'on nous amène quand même les animateurs à la hauteur. Avec cette répression, est-ce que vous avouez vaincu? Non, nous ne pouvons pas être vaincus. Le peuple ne peut pas être vaincu devant les policiers. De toute façon, c'est notre police. C'est notre police, c'est-à-dire qu'elle doit s'amender et tout dépend aussi de la volonté de ceux qui animent les institutions. Donc, on doit sanctionner ces gens-là. Tous ces commandants qui favorisent cela, il faut les arrêter tout de suite. Donc, il faut qu'on les arrête, il faut les traduire devant la justice. Mais je vous ai dit que demain, nous serons encore sur la rue jusqu'à ce que M. Malonga soit seulement, plutôt, soit évacué de ce poste-là. Et s'il n'est pas évacué? Il ne peut pas rester là-bas. Il va rester là-bas pour protéger les intérêts de qui? L'Assemblée nationale nous dit qu'il est là pour les intérêts du peuple. Maintenant que le peuple refuse, lui, en qualité de qui, il va rester là-bas? Donc nous ne raisonnons pas dans le sens que lui va rester. Nous, on ne peut pas même imaginer cette hypothèse qu'il va rester. En qualité de qui, au nom de qui? Une frange seulement des amis du FCC, ça ne peut pas passer. Nous avons lutté pendant beaucoup d'états, de 2012 jusqu'à maintenant, vous avez vu la lutte. On a été blessés ici, beaucoup d'arrestations, il y a eu même mort d'hommes. On ne peut pas cracher sur leur mémoire. La lutte doit continuer. Merci. C'est moi qui vous remercie. Les questions qui sont